service d'incendie de la ville d'Amos, monsieur le directeur général, les anciens pompiers de la ville d'Amos, les nouveaux pompiers de la ville d'Amos, et avec vos conjoints, conjointes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes très heureux que vous ayez répondu à l'invitation du directeur du service d'incendie pour ce souper des retrouvailles célébrant le 100e anniversaire de la ville d'Amos, mais aussi le 100e anniversaire de votre service d'incendie. J'ai toujours dit que je suis fier de notre brigade de pompiers parce que nous avons une brigade efficace, une excellente brigade. Vous avez pu voir ce soir défiler sur vidéo, vous les avez vus en opération. C'est une brigade, comme je dis tout à l'heure, qui sauve des vies, qui sauve des biens d'abord, mais qui sauve aussi des vies. Et j'ai toujours dit à qui veut l'entendre que j'ai toujours voulu être pompier. Oh oui, j'ai toujours voulu être pompier. À tel point que Pierre me dit, une bonne fois, on va t'amener sur un lieu ou des lieux d'incendie. Mais je reviens sur mon désir, sur mon vouloir d'avoir, sur mon désir, oui, de vouloir être pompier. C'est parce que pour moi, un pompier, c'est un héros. C'est quelqu'un qui peut mettre sa vie en danger pour sauver la vie des autres. Quand j'étais jeune, j'avais lu quelque part un monsieur qui était unijambiste parce qu'il avait perdu une jambe et les gens se moquaient de lui. Il ne savait pas dans quelles circonstances il avait perdu sa jambe. Eh bien, c'était en voulant sauver des vies dans un incendie. Et puis lui, les escaliers se sont effondrés, il est tombé, puis il avait perdu sa jambe. Et l'histoire disait que ce gars-là a toujours été considéré comme un héros parce que en voulant sauver les autres, il a mis sa vie en danger. Donc pour moi, marqué, j'avais lu ça, j'avais peut-être 6-7 ans. Donc alors j'ai été marqué par ça. Quand j'ai grandi, pas beaucoup, quand je suis devenu plus vieux, j'ai dit « ouais, j'aimerais faire ça ». Mais chez nous, en Haïti, les pompiers, c'était aussi des gens de l'armée. Et pour rentrer dans l'armée, il fallait avoir 5 pieds 8. Et moi, j'avais 5 pieds 6. Donc, il manquait à peu près 2 pouces. Donc, alors, je n'ai jamais pu entrer chez les pompiers. Mais quand je suis arrivé et que je vois le travail que nos pompiers font, et surtout, quand je suis devenu maire, et je me suis dit, eh bien, c'est vraiment très gratifiant. On a une brigade. J'ai dit à Guy, on va en prendre soin de notre brigade. Et c'est pour ça, j'ai pas peur de le dire, toutes les demandes faites par Pierre, à Guy et à moi, eh bien, dans la mesure du possible, on répond par l'affirmative à ça.
peux dire que notre chef, c'est un chef choyé, mais parce qu'on sait qu'on a le meilleur chef de pompiers dans toute la région. Et puis ça, c'est pas du tétage. Donc alors, ce soir, je ne veux pas être trop long. Je commence par remercier nos anciens pompiers. Et vous, vous avez tracé la traîne, vous avez battu la traîne, vous avez donné le bon exemple. Et même aujourd'hui, nos jeunes pompiers, eh bien, ils savent de qui ils en tiennent, c'est de vous autres. Parce que votre passage au service d'incendie d'Amos, eh bien, a été bien marqué, parce que vos photos sont là avec les années, et quand les jeunes regardent, ah, lui, il a déjà été pompier, ça c'est mon oncle, lui, il a déjà été pompier, ça, je le connais, c'est mon grand-père, sûrement, là, tu vois, parce que nous sommes une petite famille à Amos, même si on est 12 671, eh bien, c'est comme si on était une douzaine, on se connaît très bien. Et c'est pour ça que ça va bien à Amos, parce que nous sommes tissés serrés, nous sommes capables de nous rallier pour faire des belles choses, des grandes choses ensemble. Parce que quand on est divisé, on ne peut pas réaliser grand-chose. Mais quand on est uni, on est une force. Et ça me fait penser, même si c'est jamais réalisé, vous savez, la devise d'Haïti, c'est l'union fait la force. Mais malheureusement, on le dit, c'est écrit sur papier, mais on ne l'a pas mis assez en pratique. Mais vous autres, peut-être pas, c'est peut-être pas votre devise écrite, mais c'est ce que nous faisons. Encore une fois, merci d'être venu à la soirée de ce soir, soirée de retrouvailles. Vous avez retrouvé vos amis, donc alors la fête ce soir. Pierre me dit que ça va continuer jusqu'à 3 heures du matin. Donc, gênez-vous pas, amusez-vous. Ayez du poids. Eh bien, on recommence ça. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'on est rendu là. Monsieur le maire, monsieur le directeur général, Alex, notre père peur, notre joueur de cornemuse, demain, sa blonde ou sa conjointe ou son épouse, je ne sais pas, Lynn. Distingués invités, étant vous tous. En débutant, je dois vous dire que... Excusez-moi. Je suis le meilleur, mais je suis brouillard. En passant avec le maire, il n'est pas trop délicat, hein? Il m'a dit ça l'autre fois en face de Richard Lefebvre, j'étais gêné en table. Oui, je peux vous dire que c'était un honneur pour moi. Je suis super menteur! Arrête, tu mérites. Richard est bon, mais toi t'es meilleur en bas. Bon, je recommence. La pierre. Bon, on y va. Je dois vous dire, c'est un honneur pour moi d'avoir vous adressé la parole ce soir dans le cadre du souper retrouvailles de nos 100 ans. Honneur car faire partie d'un groupe de combattants du feu, faire encore partie d'un groupe d'amis qui visent tous un même but, sauver des vies. Sauver des vies, ça c'est la réponse qu'on a la plus fréquente quand on passe des entrevues aux aspirants pompiers. On lui dit,
dis-nous d'autres choses. Mais c'est un fait. On est là pour sauver des vies. Ulrich en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai un bémol sur ce qu'Ulrich a dit. Ulrich, il dit on sauve des biens, puis après ça, des vies. C'est pas vrai. On sauve des vies. Je m'excuse, Ulrich, de te contredire. On sauve des vies, après ça, on sauve les biens. La prière depuis 100 ans a sauvé des vies. On ne saura jamais combien. Il y a beaucoup de fois qu'on a sauvé des personnes ou qu'on a éteint des incendies, puis qu'on a sauvé des vies, puis avant nous autres aussi. Fait que c'est un fait, mais jamais qu'on va savoir combien qu'on a sauvé. C'est incontestable, on est des sauveurs de vies. La brigade a aussi sauvé des biens, qui étaient très chers aux sinistrés. Aussi, la brigade a sauvé beaucoup de biens pour que garder une valeur locative à la ville de Lamos. Nous tous ici présents ce soir, nous avons raison de s'enorgueillir d'avoir fait partie d'une brigade comme la nôtre. Je remarque que ce soir, il y a avec nous des anciens pompiers, que j'ai travaillé avec eux à mes débuts, et j'ai beaucoup appris de ces gars-là. Je m'efforce de faire comme eux, montrer aux nouveaux pompiers, c'est sûr avec l'aide de mes officiers, le travail de pompiers, les valeurs d'une brigade, qui en dehors des appels de feu, un beau groupe d'amis, c'est primordial. C'est pas long. Ça me prendrait un tourneur de feuilles. Ayant beaucoup plus de ressources et d'informations que dans le temps, sur les incendies, sur leur développement, sur les façons de gagner le combat contre elles, je veux féliciter les anciens qui ont réussi, au péril de bien des choses, à éteindre les incendies. Je parle entre autres des gars de la table numéro 8. C'est nos anciens, les plus anciens qu'on a ce soir. Je félicite, monsieur. Je parle évidemment d'André Legault, de qui j'ai appris à verser de la bière. Dans les soirées du tournoi en 1975, j'étais à ses côtés. Et je parle d'Armand Doyon, de qui j'ai appris que le super-autoré, c'était très important. C'était même sacré. Je parle de Jean-Yves Cahouette, que j'ai aimé travailler avec lui parce que c'était un fonceur. Il fonçait n'importe où, mais il fonçait. Moi, je me sens. Je parle de Yves Séguin, qu'on prenait des courses pour arriver le premier. Il m'a montré à courir parce que lorsqu'on était officier remplaçant, c'était le premier arrivé qui avait la chance de se rendre sous l'incendie. Fait que moi et Yves, on courait. Je parle aussi de Michel Audy, qui m'a monté à boire la crème de menthe. Blanche. Je parle de Bill, qui passait son temps à parler. Je parle de Bill aussi, que tout à l'heure, il avait perdu sa table. Il checkait partout. Je parle aussi de mon mère, qui m'a montré à faire des discours, sauf que j'ai mal appris, ça ne sera pas trop long. Mais plus que ça, je parle de Léo Denis, qui est maintenant âgé de 87 ans, bientôt 88. J'ai appris que ce monsieur était un travailleur infatigable. J'aimerais ça, Léo, que toute ma gang soit comme toi, sauf que ce serait moi qui ne serais pas capable de suivre. En parlant de Léo, j'aurais quelque chose à lire. Une lettre qui a été adressée le 26 février 1952. Monsieur Léo Denis, blablabla. Bon. Cher Monsieur Denis, nous avons le plaisir de vous remettre sous pli
deux polices d'assurance feu couvrant votre résidence privée pour un montant total de 5 000 $. L'une couvre 3 500 pour une période de 3 ans, le deuxième également 3 500, mais pour 12 mois au lieu de 3 ans. Il nous fait plaisir de vous faire remarquer que vous n'avez absolument rien à payer pour ces polices, étant donné que ces primes ont été payées par M. et Mme Alfred Tardy, qui et ceci afin de vous prouver leur reconnaissance pour la présence d'esprit que vous avez fait preuve lors du feu survenu au garage la semaine dernière. Ce geste de la part de M. et Mme Alfred Tardy doit certainement vous faire plaisir et nous avons vous-même constaté qu'il était heureux de faire ça pour vous. Espérant le tout votre entière satisfaction, nous crions, blablabla, mais on va étudier. Fait que Léo, d'après moi, t'as fait quelque chose qui est. Ton boss était content. En passant, Léo, c'est celui qui était le plus longtemps membre de la brigade d'Amos. Il a presque fait la moitié des 100 ans. T'sais, il a été 42 ans. Félicitations, Léo, et merci d'être là ce soir. Qu'est-ce que j'avais appris, tu sais, que le club Rotary, puis verser de la bière, puis prendre des courses, là. J'ai appris bien plus que ça de vous tous. Je ne voudrais pas oublier nos conjointes. Bon, ça commence. Non, je ne voudrais pas oublier nos conjointes, nos blondes, nos épouses, qui ont subi ou subissent encore la frustration de nous voir quitter. Sans trop rallonger le discours, pour répondre à un appel de feu. Merci beaucoup, mesdames. Pensez pas que c'est à cause qu'on vous aime pas qu'on sacre le camp. C'est que être pompier, c'est une maladie. La seule façon de la soigner, c'est de répondre à l'appel. Donc, excusez-nous, mesdames. Avant de terminer, j'aimerais ça vous présenter l'équipe des pompiers de 2014 qui sont ici ce soir. Je vais les nommer un après l'autre, j'aimerais ça qu'ils se lèvent. Si après ça, même qu'on est tout fini, moi je vais être le premier à applaudir. Je suis content de mon équipe de pompiers de 1914. 2014. C'était top! J'y vais par ordre de le numéro de pompier. Ça n'a aucun rapport. Je l'aime plus ou je l'aime plus. OK, on y va. Benoît Bergeron, qui ça fait 26 ans qu'il est avec nous autres. D'après moi, mon discours est trop long, vous n'avez pas écouté. Il applaudirait à la fin, hein, j'en ai 20 à applaudir. Ben, qui se lève la bête qu'on sache c'est qui. Là. André Paquin, il est capitaine, ça fait 26 ans qu'il est avec nous autres aussi. Denis Bachard, 17 ans qu'il est avec nous autres. Guy Béchard, mon directeur adjoint, ça fait 20 ans. Ryan Mizot, un petit nouveau de 3 mois. Réjean Doyon, qui est capitaine, ça fait 10 ans qu'il est là. Donald Moses, notre secrétaire, ça fait 10 ans qu'il est là. Sylvain Héon, 2 ans qu'il est avec nous autres. Jean-François Rose, ça fait 6 ans. Marco Veillette, un capitaine, ça fait 29 ans. Il me colle au cul, lui. David Thibault, ça fait 7 ans qu'il est avec nous autres. Ça vient bien, David étant numéro 17. Nicolas Blanchette, un autre petit nouveau de 3 mois. Luc Delonchamp, ça fait 10 ans qu'il est avec nous autres. Danny Mainville, 1 an. Étienne Bordelot, aussi 1 an. Stéphane Fleurant, 8 ans avec nous. Jean-François Manceau, 1 an. Brian Russell, 3 ans. Sylvain Gagnon, 2 ans.
Samuel Audette, 2 ans. Stéphane Lacombe, 6 ans. Stéphane Sigouin, un capitaine, 11 ans. Pierre-Luc Beaulet, 3 ans avec nous. Michel Brousseau, capitaine, 7 ans. Mathieu Godbout, 3 ans. Yves Rollin, 1 an. Bernard Larose, 3 ans. Et Mario Mars, 3 ans. Fait que j'aimerais ça qu'on applaudisse toute notre gang de pompiers. Fait que je suis fier de toute la gang de gars que je viens de vous nommer. Puis la ville est comme pas mal en sécurité, cette gang-là. Fait que, en terminant, je vous remercie beaucoup toute la gang, tous ceux qui se sont présentés ici, là, les anciens. Oui, Léo? Oui, il y avait des gros. Je pense que Léo veut nous jaser un petit peu. Puis il aimerait ça qu'on les nomme. Il avait été préparé par Jeanne, sa conjointe, qui est disparue, on sait. Le chef étant Albert Côté, il y avait comme pompier quand que Léo a rentré ou quand que la liste que Léo m'a donnée, il y avait Romuald Séguin, Julien Laure, Roger Laure, Dona Bourdage, Ovila Plante, Yvon Plante, Monsieur Turpin, il y avait Rémi Mauss, un autre Monsieur Mauss. Ça arrive souvent, ça, des pompiers. Un monsieur Mercier, un monsieur Mercure, il y avait Stanislas Bouchard, il y avait Camille Bergeron, Paul Richer, Aurel Richer, il y avait Léo Denis, comme de raison, et Jean-Paul Loranger. Fait que Léo, il tenait à ce que il me donne la feuille, puis il voulait que j'en fasse fort. Dans le fond, là, je suis assez pas mal content que vous soyez venus à l'invitation. Puis merci beaucoup, puis bonne soirée. Thank you.